Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Alors, nouvelle session de tournage pour moi, je reprends un peu mes marques, je regardais quand même un peu avant de lancer l'épisode. Donc le but là va être d'arriver à affaiblir le plus possible, pas forcément en termes de prise de territoire, mais en termes de économique, lui faire relâcher des choses à la Castille, qui va bientôt former l'Espagne d'ailleurs. C'est un peu tard d'ailleurs pour la Castille, elle la forme bien avant généralement. Toi, c'est vrai que t'étais bloqué. J'améliore les relations avec... Oui, la Bohème, parce qu'on a une union personnelle. Donc l'idéal serait de manger la Scandinavie jusqu'ici. Ouais, quasiment tout ça. Pour pouvoir relier notre immense Russie. Et la Bohème. Du coup, ici... ils sont liés à qui? À Transoxiane. Les Kazakhs... Ah mais il n'y en a même pas de revendication. Je peux en faire pour... Même pas. Montre-moi tes revendications, c'est chez qui que t'en as? Pas chez les Kazakhs, d'accord. Et t'as pas celle qui m'intéresse là, ok. Les Manchous, vous représentez quoi? Tech 15. Ok, déjà pas grand chose. Bon, d'accord. Donc on a de quoi manger par ici. Ici c'est pareil, ça n'est pas vraiment... On a de l'expansion agressive ici. Alors on en a là, d'accord. Donc on pourrait commencer à manger ici. Irène, celle Yaki. Zouirat et... Ouais, les Korchin, c'est vraiment rien du tout. Hein. Ok, bon. Vous, j'imagine que c'est mort, hein, pas d'accès militaire, non, faut même pas rêver. Oh, on n'en est plus. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié tout ça. Il me faudrait un allié un peu plus de poids, parce que je me sens un peu pas nu, mais voilà, on pourrait avoir plus de vassaux. D'ailleurs, on n'a plus d'alliés. Ami de l'Autriche, on a qui? Ah, on a Gazikouma. Qui est pas dégueu. On pourrait s'allier. On va revenir d'ici. Bon, ça on pourra pas, mais on pourra s'allier à Gazikouma. T'es ennemi de Adal, Mamelouk, Transoxiane, ok. Donc tu pourrais venir contre la Transoxiane. Ok, siège d'Oxo a terminé, très bien, on va dessiéger tout ça. Ça va être repris, on va faire... Ouais, ça va être repris, et ensuite on vient là. Ça va être repris avec ce fort. Hein. Voilà. Ok, ici on va refaire un bateau de plus. Miss, c'est quoi, Castille? Ouais, attends. On va déjà s'allier. Voilà, déjà on va être un peu moins nu. J'ai vu des troupes. Ok, c'est troupes de Gazikouma. Gazikoumouk, pardon. Ok. Côte du Congo, ouais. C'est ça, Côte du Congo? Non, Golfe de Guinée. Oui. Attends, que je fasse pas de bêtises. Si on peut. Ah mais oui, en plus c'est gratos. Pas assez de siège au parlement. Tiens, on va vous filer un siège ici. Qu'est-ce que vous avez comme production? Bon, attends, on va regarder comme ça. Valeur commerciale, non, de production 0,87, 0,87, 0,89,
0,35, 0,89 aussi. Alors Longo, on va vous donner un siège au Parlement. Ok, du coup... on était sur 0,89 là, qu'est-ce que tu me dis? Ça n'a pas bougé, bon. Pas dramatique en soi. Alors. Gazikumu. Ouais, les Ottomans, pourquoi on est passé à 20? Ah oui, c'est vrai qu'il veut nos dépendances. Ennemi, non-ennemi. Ah, c'est ça qui kiffe, ok. Ouais. Ok, toi, tu vas gérer les rebelles ici. Voilà, là, bon, en fait, partout, hein. Tu vas y arriver, je pense. Ok. Toi, je vais te mettre là. Je vais te mettre de la monnaie mort. Mince, j'aime bien les mettre de la monnaie. Ah oui, on se fait des masses de fric, c'est vrai. Un motif d'impôt, du coup. On est sur des doctrines. Je pense que je vais enlever les... Quoique... Si, je vais enlever les explorations. Attends, on va finir ça, on verra peut-être plus tard sinon. Je sais pas, mince. J'hésite encore, j'avoue. Donc ici, on n'a pas de trêve. On n'a pas de Cassius Belli non plus. Nup, t'attends quoi? Est-ce que je te l'ai pas dit tout simplement? Aragon s'en tape. Bah, je sais pas si c'est colonisé, mais bon, on va dire qu'on veut. Hollandaise-Guinée, ouais. Ça me paraît bien. Donc, en fait, on a des trêves contre qui concrètement? En Afrique, Mali et Ashantis. Et donc, on est d'accord que. Mince. Le Mali vient en plus. Donc, on peut se regaver sur Nup et pour Pulse. Ok. Très bien. Non, on va pas faire mieux avec les Ottomans. Donc ce qu'on va faire, attends, on va faire ça. Un mec chez les alliés. Où est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sors d'où, toi? Je sais pas du tout. Mais du coup, c'est quoi ta mission? Protection du commerce aux Caraïbes. Ah, t'es revenu. Ok, il est revenu à un port. Un port allié. Ah, il permet. En fait, ça, c'est le. Pardon. Tire-relent. Le colonisateur, quand on le met dans une province, il a un pourcentage de chance d'améliorer les points de développement de la province tous les mois. Quelques malus au niveau des Ottomans, on s'en tape un peu. Juste pour voir si je te déclare la guerre, t'es allié à... Ah même t'es allié... Ah non non, j'ai des bêtises, t'es allié à pas grand monde. L'Autriche... Ah oui mais si, l'Autriche la casse vite. T'es allié à la Castille. Ouais, non. Castille et Portugal se portent garant pour la Hollande. Mais sérieux. Et Aragonaise, si je te déclare la guerre. Ah.
D'accord. Donc on pourrait prendre des trucs. Ah, et surtout qu'il est au bout du rouleau, l'Aragonais. On va attendre de voir ce que le, il laisse le Castille, et puis on va l'attaquer aussi. Hein. Occupé par Pulse, très bien. D'ailleurs, attends. On va continuer. L'effort. Mince, non, c'était pas là. Qu'est-ce que je fais là? Je l'ai déjà ici. Non, je l'ai pas. Pourquoi je peux pas? Je vais recruter ou faire quelque chose ici. Ici, on va faire ça. On va en mettre un fort côtier là, ça peut être bien. On va améliorer celui-ci. Ici, on va mettre un bon gros fort. En Russie, pareil. On va lui améliorer ses forts. Voilà. Très bien. Dépendance. Ouais. Deux chez les dépendances, ça me paraît bien. J'ai qu'un allié vraiment. Toi, j'ai l'impression que t'es pas full. Ouais, carrément. Oui, mais j'ai pas assez de réserve. Tout simplement. Ok, je peux prendre une doctrine. Ah, un diplomate de plus. Très bien. Très bien. Ensuite, amélioration des relations. Réputation diplomatique plus 2. Ça va être énorme. Coup. En score de guerre de la province, c'est très bien. Coup des tech diplo. C'est bien aussi. Pourquoi pas. Ah, il est très bien, James Lancaster. Ok, bon. On va s'en sortir. On va remonter la pente. Non, pas hyper du prestige, c'est pas grave. Tant qu'on a un peu de prestige. Ming et Barmani, et là on fait plaisir à... Non, moi j'ai déjà insulté. Voilà, les récits sur vos méfaits sont comptés depuis l'Irlande jusqu'à Caté. Au moins. Ici, ce serait bien qu'on récupère ça. À bientôt. À la fin du mois. Il me faut 20. D'accord, c'est parce que j'ai fait une revendication ici. Ah oui. Ah non, même pas. Je confonds. Oui, non, je confonds, j'ai pas pris doctrine d'espionnage. Elle est plus forte que la plume. Ok, on perd du prestige. Vas-y, perd du prestige, c'est pas grave. Ça va revenir le prestige. Ok, le fort est tombé ici. Très bien, on continue. On a perdu le Cassius Belli contre Liège, c'est pas dramatique, on le refera. Allons, on est converti, on poursuit. Oh, gêné. Ils ont des rebelles qui ont... Des séparatistes qui ont dû... arriver à leur fin, tout simplement. On est en guerre, ils vont s'en occuper, je pense. C'était Croix, c'est par là. Non, c'est plus bas. Non, c'est où? Bon, ils ont dû popper sur quelqu'un qui était déjà en siège, j'imagine. Ok, le Maxime britannique. On va essayer de couper les côtes à tout le monde là, déjà. Histoire qu'on puisse se le manger à tout seul, comme des grands. Au niveau des troupes. Hein. Ok, on a l'équilibre en fait. Siège de Joe m'a remporté. On bourrait maintenant. Modif d'impôt local en Golfe des Guinées. Ouais, bon, il occupe des trucs, mais on va vite. T'as ici, c'est bon. C'est pas gênant, on a l'effort. Non, moi ce que je veux c'est main ou Anjou. Main. Ok, on revient.
Parfait, des rebelles qui dessiègent, c'est pas beau ça? Donc la guerre c'est bien contre Jolof. Oui. Une consort apparaît, oui. Oh, elle est très bien en plus. Est-ce qu'on aura besoin d'une consort? Non. D'accord. Je peux fabriquer pour... Non, je peux pas. Ça m'énerve ça. On va continuer à faire quelques forts, on a de l'argent. Hein. Un ici serait bien. Même à Paris. Un ici. Un ici. Voilà, que ce soit vraiment la misère pour passer chez nous. On se fait encore 70, ça va. Bourré, c'est terminé. Est-ce que... alors attends. Ça c'est occupé par Peul. Ça on va dire que c'est occupé par Peul aussi. Et ça on va du coup venir l'occuper. Ce qu'on va faire c'est ça. Un qui va venir là. Un qui va venir là. Ça c'est Aragon, ouais. Un qui va venir là. Et on est bon, je pense. Ouais. Ok, donc toi, viens ici directement. Luango. Personne en bas. Non. Bon, on va redescendre après. Toi, viens ici. Il y a peut-être Nup d'ailleurs qui va s'en occuper. On va bientôt avoir une fin de trait avec la Castille. Viens là. C'est pas dramatique. Ah bah non, je suis bête, j'ai mal vu. Les rebelles ils sont où? Ah mais c'est en Russie. D'accord, c'est pour ça que je les vois pas. Conversion terminée, on poursuit. Ok, alors on va filer ça à Peul. Ah, très bien. Ensuite, on va. Au même moment, on peut pousser un peu Peul, je pense. Ça, on va filer à Nup. Ça aussi. Au moins les provinces limitrophes. Hein. Ok. Donc ça donne quoi maintenant? Attends, on va commencer par là. Prendre ça. C'est tout. Ouais, bah tant pis, hein, on va faire ça comme ça. On va le manger beaucoup de fois, mais on va le manger. Ok, et ensuite, on attend quelques jours. En attendant quelques jours, on va revenir là. Oula. Jolof, on veut ton pays. Voilà.
Ok. Donc là, le Mali est à nous. On le mangera comme on veut. Plus personne, si Jenny peut s'en occuper, c'est tout. Ici, toujours pas de revendication, c'est un peu dommage. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir finalement. Toi, tu vas où, Luango? Prendre une tech, on va attendre un petit peu, oui. Ce qu'on peut faire pour les réserves militaires, c'est ça. Modifier des réserves locales, voilà. Là, oui, oui. C'est combien? 382 traits? Non, pas celui-ci. Ok, ici on a terminé, on les a chopés? Non, je sais pas qui en a chopé. Alors, Julie Domini. On va en faire un général, ouais. T'as qui? Arthur Button. Ok, prends Julie Domini. Reste là. Toi aussi. Tac. Allez, c'est long, mais ça, on va y arriver. Allez. En Provence, on peut revendiquer Anjou. Toujours pas lié à grand monde. Moins 46, hein, faut se calmer quand même encore. Pas grave, on a du monde ici. Ok, donc tu viens là. Pendant ce temps, le Congo. On n'est plus en trait. Oh putain, j'ai pas fait de revendication, quel idiot. Je vais te vassaliser en fait le Congo. Ouais. Et je vais te faire grossir ici. Le général en trop, c'est toi, et oui, on peut te dégager Arthur Button. Pas encore de l'argent. Au niveau de l'absolutisme, on est à 44, c'est pas énorme, bon. 5 cultures dans le pays, je crois pas que je puisse faire mieux. Ah si! 4, 5, ok, il est bah, qu'au 16. Hein. Sachant qu'on n'est pas en pire, on est loin. Oh, on n'est pas très loin. D'accord. Ok, alors. Bourguignon. Éco 16, ça va passer. Ça va passer avec la sphère culturelle. Hein, quand on deviendra un empire. Ok, on a un diplomate de libre, on va l'envoyer faire des revendications ici aussi. Même si je pense... même si je pense que... Congo... Attends, bon, on va regarder comme ça. Ouais, Congo, est-ce qu'il faut... faut juste attaquer le Congo, le vassaliser, et puis basta. Kazembe, non, on s'en fiche. Putain, cette province. Quantité de ravitaillement possible, impressionnant. Attendez, à combien de renforcer complètement? Ouais, il en manque un peu, combien? 6000 hommes? Bah non, 6 mois, ok. Bah le temps de terminer la revendication ici. Ok. Ah, t'as laissé ça?
Ok, ça fait sauter la province assiégée, attends. Par Ratisbonne. Attends, c'est quoi cette guerre? Si je te déclare la guerre. Ah oui, mais je suis en trêve. C'est qui tes alliés? C'est juste trêve, ok. Toi. Miss Trêve Portugal. Toi. Ah, mais t'as pas grand monde, toi. Enfin, pas grand monde. La Scandinavie viendrait pas. La trêve avec la Scandinavie, on en a jusqu'à... Ouais, quelques temps encore. 76, 4 ans. Et la Hollande, du coup... Ah, mais oui, elle est défenseuse de la foi, cette conne de... Ah non. C'est juste qu'elle est alliée à eux. D'accord. La France, pareil, non, la trêve doit se terminer avant. Non, pas juin. Ouais, mais Aragon, ça va faire l'expansion agressive en Europe. C'est pas idéal. Non, on va juste attendre d'avoir celle sur le Congo. Voir peut-être. Oh, mais il a pas de revendication, mais qu'il est pénible. Il faut plus de mecs chez Dépendance. Ouais, voilà. Je te l'ai dit pourtant, non? Je t'ai pas dit. Ok. Bon, ok. Encore une doctrine diplo, on pourrait. Qu'est-ce qu'elle donne? Amélioration des relations et derrière, ouais, la république diplo, ça reste quand même super important. Ouais, donc là on va attendre, ok, revenons ici. Est-ce que tu sens le Congo? Que ça va bientôt te tomber dessus. Voilà. Yaka! Ok. On va avoir trop de points. Réduction de l'inflation, très bien. J'aime pas tant de revendications là. Ah bah t'as mis du temps, dis donc. Kazembe vient, oui, si tu veux. Ça devrait aller vite. Hein. Kazembe, on les sort dès qu'on peut, pour rien du tout, comme ça on les rattaque le plus rapidement possible avec les revendications, avec légitimation d'ailleurs congolaise. On a passé une année. Ouais, allez, vas-y. Je vais avoir trop de points. Et là, on va prendre. Donc, on a pris le défensif, on prend les offensives. Ouais. On va attendre de prendre la tech par contre. Ici, on peut prendre de l'argent, allons-y. On va faire quelques manufactures. Oui, on peut. Et je vais renvoyer du coup un diplomate là. Voilà, on a que des dépendances quasiment. Donc il faut les bichonner. Hop, pour qu'elles nous suivent dans les guerres et puis pour qu'elles fassent ce qu'on veut, les revendications, etc., etc. On va attendre un peu. On va attendre la fin de l'année là, tout simplement, pour prendre la tech. Oui, si vous voulez. Ah, elle est encore
Encore des provinces qui se développent, c'est très bien. Castille qui déclare la guerre à Tondo. George Rook, ça ne servira plus. George Rook, t'es... Ah bah t'es là. Ah non, ok. Ils sont pas super développés tes provinces, amis. Là, viens là, ouais. À Prague. On va voir ce qui lui arrive à la Scandinavie. Allez, s'il te plaît, là, qu'on puisse te dégager rapidement. Ok, parfait. Oh, putain, l'héritier meurt. Oh, ça va, ils sont jeunes. Vas-y, une église en exo. Oh, bah, c'est déjà mieux que ce que tu me proposais, bon. Du coup, on aura peut-être besoin de notre reine consort. T'es pas encore chaud, bon. Je vais me poser sur ta capitale. Ah bah c'était rapide. Ok, c'est bon. Impec. Non, on ne dit rien du tout comme ça. Voilà, dans 5 ans, on revient. Au Congo, je pense qu'on peut vassaliser. Alors attends. On peut plus revendiquer Biscay, c'est pas dramatique. Coup d'attaque administrative, alors de nouveau canon, très bien. Allez, on va faire la paix, hein, quand on aura que l'épisode là-dessus. On veut te vassaliser, qu'est-ce que ça fait chier? Non mais l'autruche, sérieux, c'est une blague. Bon, on est déjà au-dessus de 50, donc c'est pas dramatique. Mais... La Pologne, c'est plus rien, Ashanti, Scandinavie, bon, faites que des gens qui sont déjà au-dessus de 50, donc c'est pas dramatique. Ouais, ça va se faire tout seul. Encore un mois et on est bon. On revendique Burdeos. Burdeos plutôt. Parfait. Ok, allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour la suite. Salut à tous.